Bon, je pense qu'on va faire un clin d'œil à Monsieur Rouli, on va lui rappeler qu'il n'est pas tout seul et qu'on sera bientôt représenté au conseil municipal. Voilà. Elle donne tout de suite le ton de la campagne des municipales. À 23 ans, ce n'est pas une première pour Ève Froger. Candidate aux régionales et aux législatives en Ile-de-France, elle milite désormais en Normandie, tout en suivant par correspondance ses cours de droit. Je viens d'arriver en Seine-Maritime, enfin, il y a plusieurs mois, avec mon compagnon. Avant, j'étais en banlieue parisienne, donc je me suis déjà présentée à des élections, mais c'est vrai que c'est pas du tout pareil. Vous savez, une campagne municipale, c'est beaucoup plus de terrain, c'est un contact humain qui est différent. Et je suis ravie de pouvoir faire ça où je suis maintenant installée et où je compte avancer dans ma vie. Encartée, à 18 ans, au FN, la jeune femme admire la personnalité de Marine Le Pen. Elles se sont d'ailleurs rencontrées la semaine dernière à Rouen. Et comme les autres candidats RN, elle veut promouvoir la démocratie locale, la sécurité aussi. En face, Nicolas Rouli affiche un CV bien plus local. Il a grandi à Dreux, est arrivé dès l'âge de 14 ans en Normandie. À sa majorité, lui choisira le Parti socialiste. Il sera d'ailleurs le plus jeune conseiller auprès de Laurent Fabius à la mairie de Grand-Quevilly. La proximité, il en joue, comme ici, en réunion avec militants et sympathisants. Il y a essentiellement ici, bien sûr, les colistiers, que maintenant tout le monde connaît par cœur et dont la liste figure en conclusion de notre document projet. Face à sa jeune rivale, il se targue, lui, d'avoir bouclé sa liste et surtout de connaître sa ville sur le bout des doigts. Sur tous les sujets, je peux vous citer le nom des rues, le nom des cages d'escalier, tous les endroits de Grand-Quevilly où il fait bon vivre, où parfois il y a des difficultés. Mais si vous voulez travailler avec la population, il faut connaître les gens, il faut savoir où ils habitent. Et pour être maire, c'est essentiel. Maire d'une ville de 26 000 habitants, la quatrième de l'agglomération rouennaise. Les résidences y sont nombreuses, les logements sociaux supérieurs à 60%. Avec 5 stations de métro, un zénith, une zone commerciale, Grand-Quevilly bénéficie d'une bonne image. On a des commerçants à la portée, on a des théâtres, on a tout ce qu'il faut. Niveau sportif, c'est quand même pas mal aussi, donc j'aime bien. Beaucoup de gens qui habitent en extérieur veulent j'aimerais bien acheter à Grand-Quevilly. C'est une ville qui est plaisante à vivre, quand même. Et une poignée d'élus ont marqué le territoire. Tony Larue, qui a dirigé la ville pendant près de 60 ans. Laurent Fabius, évidemment, qui l'a choisi comme ancrage local. Nicolas Rouli, lui, est le candidat qui s'inscrit dans cette lignée socialiste, dans ce fief de gauche aux yeux de sa rivale. On est en pleine Fabiusie avec le système des socialistes et ce qui ne va pas non plus. C'est le clientélisme, c'est le copinage, c'est les compromissions. Donc non, je tiens à défier ça. Moi, je veux que les habitants votent pour des candidats qu'ils connaissent et qui les connaissent. Tout le reste, eh bien, ce sera des grands mots, ce sera du copier-coller, ce sera des promesses, mais comme toujours, qui seront très vite oubliées après l'élection, parce que toujours, on a vu ces candidats-là disparaître du terrain et des conseils municipaux. La rivale visée l'assure, elle ne sera pas une élue fantôme. Avec deux candidats en lice, la ville de Grand-Quevilly aura un nouveau maire dès le soir du premier tour.